Que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Nous étions proches depuis l'enfance. Je ne me souviens d'aucune dispute, d'aucune bagarre. Parmi mes 6 frères et sœurs, c'était lui qui s'occupait le mieux de moi, sans conteste. Je dois dire que mes sœurs et leurs maris aussi furent attentifs. Ah ! En fait, maintenant que j'y pense, ma famille est une bénédiction. Fantastique. D'accord. Je dois y aller. Venez jeter un œil. Que voulez-vous? Bon, à bientôt. Vous voilà donc. Il est temps que je vous dise la vérité. Avant d'aller plus loin, j'ai bien peur d'avoir encore un service à vous demander. M'écouterez-vous? Merci. Vous êtes d'une gentillesse infinie. Je vais retourner dans mes quartiers. Passez me voir, je vous prie. J'attendrai. J'ai remarqué qu'un certain nombre de geishas malades avaient récemment disparu. J'ai donc décidé d'enquêter, et je viens de découvrir un lieu où une geisha serait actuellement soignée. Cela me rassurerait de savoir qu'un médecin s'occupe d'elle, mais j'attends encore d'en avoir la preuve. Ce n'est pas tout. Tout le monde semble faire comme s'il ne se passait rien. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Pourriez-vous aller voir cette geisha, je vous prie? Quant à moi, je vais me renseigner et essayer d'en savoir plus. Oh, merci. Faites comme si vous étiez un client, et vous pourrez sans doute entrer sans attirer l'attention. Je vous souhaite bonne chance. Comment êtes-vous entré? Nous sommes en plein traitement. Sortez d'ici! Nos geishas font notre fierté, mais si elles ne ramènent pas de clients et d'argent, alors elles constituent un fardeau que nous ne pouvons vraiment pas entretenir. Maintenant que vous avez vu ça, je n'ai plus le choix. Allez, réglez son compte à cet intrus! Je retourne! Vous ne partirez pas d'ici en vie! Dépêchez-vous de venir aider! Kaeru! Arrêtez-nous! Arrêtez-nous!
Pourquoi m'avez-vous aidé? Je suis trop malade pour mériter votre aide. Mon corps me fait souffrir. Et ma belle peau est... Si je ne peux pas gagner ma vie, je n'ai plus rien à faire à Yoshiwara. Je n'ai pas d'autre choix que de disparaître. Que puis-je faire? Ils ne mettront pas longtemps à me retrouver et à me réduire au silence. La personne qui vous a envoyé? C'est gentil, mais je ne me fais pas d'illusions. Vous avez vu la fille, j'imagine. Comment va-t-elle? Je vois. Alors, je dois aller la voir dès que possible. Après avoir diligemment mené mon enquête, je saisis mieux les tenants et les aboutissants de cette affaire. Les geishas qui ont disparu ont été tués dans un bunker souterrain. Et leurs corps ont été enterrés au temple Sayo. Nous devons prévenir les filles que tout est terminé. Peut-être que cela apportera un semblant de paix aux âmes des défuntes. Je ne peux qu'espérer qu'elles reposeront en paix. On raconte qu'un fonctionnaire du shogunat tuait les malades, qu'il ratissait le quartier des plaisirs pour trouver ses victimes. Ce n'est pas surprenant. La manière qu'a le shogunat de gérer l'épidémie a engendré des frustrations. Cela montre à quel point les citoyens sont mécontents. En effet, j'espère qu'un jour viendra où ceux qui vivent dans les ombres seront aussi libres que ceux qui vivent dans la lumière. J'ai discuté du responsable de tout ceci avec le dirigeant de Yoshiwara. Mais le quartier des plaisirs n'a pas les ressources nécessaires. Je suppose donc que rien ne va changer pour lui. Le coupable reste impuni, tandis que vous et moi restons liés par notre vertu. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Oui. Je ne peux rien faire de plus. Ces femmes devaient ressentir la même chose. Elles aussi rêvaient d'être libres. Lors de notre première rencontre, vous sembliez vivre sans entrave. Mais en vérité, le passé vous retient, vous aussi. Nous avançons tous deux en dissimulant nos attaches. Nous sommes différents. Et pourtant, si semblable. Vous vous souvenez des photos que je vous avais demandé de prendre? Il me semble que depuis, nous nous sommes tant rapprochés. On dit qu'un appareil photo sert à préserver les souvenirs. Mais je ne voyais pas les choses sous cet angle au quartier des plaisirs. Pourquoi ne pas prendre une autre photo, ici, maintenant. Ainsi, nous n'oublierons jamais cet instant.
Surtout, faites honneur à cet instant. Pour être honnête, mon cœur s'emballe quand je suis face à l'objectif. J'espère que vous garderez bien cette photo. Ainsi, je serai toujours avec vous. Bien. Parlons sérieusement. Vous devez vous demander pourquoi j'ai trahi le Seigneur Yi. Je dois admettre que lui et moi... disons qu'il compte beaucoup à mes yeux. C'est lui qui m'a offert cette épingle à cheveux. Mais... la situation est très différente désormais. Tant de choses ont changé, dont mon seigneur et moi-même. L'homme que je connaissais est devenu le démon rouge. Et pourtant, le rôle qu'il endosse aujourd'hui le tourmente. Avoir été témoin de la purge m'a ouvert les yeux. Je sais maintenant qu'il faut l'arrêter. Et qui mieux que moi pourrait s'en charger? Toutes ces années passées à ses côtés m'y ont préparé. J'ai laissé la jeune Fumi s'échapper, au péril de ma vie. C'était la meilleure chose à faire. Oui, j'en ai la certitude. Mais, à présent, une peur indicible m'envahit. J'ai la terrible impression qu'une chose horrible va se produire. Selon vous, que devrais-je faire? Vous, alors... C'est tout ce que je voulais entendre. Je me sens bien mieux maintenant. Veuillez m'excuser d'avoir laissé mes émotions me submerger. Allez-vous vous joindre à la rébellion du clan Satsuma? Je connais une ruelle que le shogunat ne surveille pas. Je vous y conduirai. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider davantage. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Êtes-vous prêt à partir pour la demeure des Satsuma à Edo? Moi aussi. Ce serait fort agréable, j'en suis sûre. Comme vous voulez. De quoi s'agit-il? J'ai mes raisons. Je suis devenue geisha de mon propre chef. Mais... beaucoup ici ne peuvent pas en dire autant. La plupart sont là parce qu'elles sont pauvres ou punies. Quoi qu'il en soit, toutes ont leurs raisons. Soyez aimables de ne pas aller fouiller dans leur passé. Non, je vous connais depuis bien longtemps. La nuit, toutes sortes d'échos résonnent entre les murs du quartier des plaisirs. Les nouvelles tournent à Edo, Kyoto, dans tout le pays. Il était inévitable que j'entende parler du Ronin sans peur de Yokohama. J'ai hâte de voir ce que vous réserve l'avenir. Eh bien, j'aimerais consacrer mon temps au shamisen.
C'est plus ou moins ce que je fais déjà, il est vrai. Mais jouer en tant que geisha pour les clients, ce n'est pas la même chose que parler avec sa propre voix. Un jour, peut-être, si je quitte cet endroit, ça pourrait être merveilleux d'explorer les arts que mon métier m'a appris. Comme vous voulez. Oui, bonne idée. Après tout, vous avez fait tout ce chemin pour moi. Discuter avec vous, de cette façon, vous avez tant changé depuis notre première rencontre. Auparavant, vous sembliez sauvage, libre. À présent, je sais que vous êtes bien plus que ça. Ah. Mm-hmm. Je le savais. Votre regard vous trahit. Malgré toute votre force, je peux y voir de la tristesse. Vous avez dû endurer plus d'un tourment. Et quelques blessures qui n'ont jamais guéri, n'est-ce pas? On peut dire que j'ai un don pour sentir ces choses-là. Oh. Vous savez, votre cœur est si bon. Vous m'avez sauvée alors que j'étais en danger. J'aimerais savoir exprimer la joie que j'ai ressentie, mon soulagement lorsque je vous ai vue. Le jour où je pourrai entièrement m'en remettre à vous ne me paraît pas si loin. Quelle pipelette! J'en ai trop dit, vous ne croyez pas? C'est votre regard. Il est si facile de s'y perdre. Ah, bien sûr, comme vous voulez. Certainement, j'ai le temps de discuter. J'ai cru autrefois savoir à qui appartenait mon cœur. Mais depuis que je vous connais, vous avez brisé toutes mes certitudes. Comme geisha, je vends un rêve aux clients pour une soirée. Mais dans votre cas, je ne supporte pas la fin du rêve. Quand je dis ne pas vouloir que vous partiez, c'est la vérité. Même si c'est interdit. J'espère que ce n'est rien de grave. Je pense que je devine ce qui allait suivre. Mais je suis heureuse que vous ayez changé d'avis. Quelque chose ne va pas? De quoi s'agit-il? C'est un cadeau du Seigneur Yi. Je la garde toujours sur moi. En souvenir de mon admiration sans borne. Mais les choses sont différentes aujourd'hui, après tout ce qu'il a souffert. Le jour où il se retirera et où je lui rendrai cette épingle à cheveux, je serai enfin libre de vivre ma vie avec vous. Jusque-là, je vous demande de rester à mes côtés. Oh, vous vous inquiétez pour moi? Je vous en remercie.
Voilà ce que je propose. Si vous avez le sentiment que je me mets en danger, ce sera à vous de m'arrêter. Et si vous vous lancez dans une entreprise qui vous dépasse, c'est moi qui vous arrêterai. J'en fais le serment solennel. Sur tout ce que j'ai de plus précieux. Nous avons notre propre serment. Comme vous voulez. Êtes-vous occupé actuellement? Sortons un instant, pour bavarder. Vous êtes bien aimable. Dans ce cas, allons-y. Quelle brise rafraîchissante. Il est difficile de la sentir dans le quartier des plaisirs. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? L'autre jour. Le quartier des plaisirs n'est qu'une cage dorée pour les geishas. Un lieu où se rassemblent les filles qui n'ont nulle part où aller. Sous son épais vernis enjôleur, il n'y a que la souffrance. J'ai débuté mon métier de mon propre chef. Afin de mieux servir le Seigneur Yi. Mais à présent, certains jours, je ne sais plus ce que je ressens. Est-ce vraiment ce que je désirais? Je me le demande souvent, quand je suis à vos côtés. Tout ce que je veux, c'est que le vent m'emporte, n'importe où. Qu'il nous emporte tous les deux. Très loin d'ici. C'est un beau rêve. Je suppose que vous avez toujours vécu ainsi. Vous m'avez prise au sérieux? Les geishas ne disent pas toujours la vérité, vous savez. C'est notre manière de vous appâter. Oui, c'était une plaisanterie. Je ne disais cela que par badinerie. Ah, il est peut-être temps de rentrer. Nous nous sommes bien amusés ce soir, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à partir pour la demeure des Satsuma à Edo? Oui, ensemble. Tu as donc décidé de te joindre à nous. Les hommes du démon bleu se dirigent vers la princesse Atsuko. Il semble y avoir des dissensions dans les rangs du shogun. S'ils mettent la main sur la princesse, tout le clan Satsuma sera pris en otage. C'est vous qui avez libéré Fumi. Je vous en remercie. Grâce à cela, nous n'avons plus les mains liées. Laissez-nous faire. Vous, vous devriez vous mettre à l'abri. Soyez prudent, je vous en prie. Je vous attendrai. Maintenant, rallions les Satsuma. Tu es prêt? Mais il fallait...
l'arrêter avant qu'il ne souffre davantage. Tiens donc. Mais au final, c'est toi que l'on arrête. N'aie crainte. Je le servirai loyalement, comme toi jadis. De notre rencontre à y connaître. J'ai...